pas de panique, la rétention des « eaux » est trop facile à contrer, lorsque elle, on parvient à en identifier la cause. La Reduction de ton Meg vous propose de découvrir dans cet article comment vous dégonfler rapidement et facilement en suivant quelques conseils pratiques. La rétention des « eaux » est un problème qui touche de nombreux Français. Si elle a tendance à toucher des personnes des « âges mûrs ou âgés », ce n'est pas nécessairement le cas. Et la T, à 22 ans tu fais de la rétention des « eaux » Eva May 13, 2022 En effet, il est AJD, un problème très courant qui a de nombreuses causes, et la plupart des entre elles sont liées à notre mode de vie. Un mode de vie très sédentaire, avec peu d'activité physique et une alimentation peu variée peut grandement accentuer les risques de rétention des eaux. Ces symptômes sont souvent synonymes de mauvaise circulation sanguine, mais ce n'est pas tout. Il peut également agir une alimentation trop riche en sel ou un manque d'exercice physique. Pour certaines personnes, la rétention des eaux est également un problème hormonal. Dans ce dernier cas, le surmonter est plus compliqué, mais pas impossible. Cela nécessitera alors une plus grande discipline à long terme. Comme vous aurez compris, la rétention des ON n'est pas une fatalité. Vous pouvez très bien le surmonter, ou du moins éviter et en atténuer les effets. La Reduction de ton Meg vous propose de découvrir 9 astuces qui vous feront vous sentir mieux dans votre corps très rapidement et vous feront dégonfler. Cas peut paraître bizarre, mais il faut boire de l'eau si on veut éviter la rétention des eaux. En effet, si vous privez votre plan des eaux, il aura tendance à le stocker. Il est donc très important de s'hydrater afin de favoriser l'activation des fonctions drainantes de l'organisme. Conseil aidé, autant plus important que nous arrivons en période estivale. Si vous voulez éviter les désagréments, gardez toujours une bouteille d'eau avec vous et buvez tout au long de la journée. Comme nous vous avons dit plus haut, une consommation excessive de sel peut entraîner une rétention des eaux. Publication partagée par David, coach sportif /nutrition. Si tu veux dégonfler par CONSC, il est donc nécessaire de limiter drastiquement votre consommation. Bien sûr, nous pouvons avoir peur que notre nourriture manque alors de goût. Pour pallier ce problème, la Reduction de ton Meg vous conseille de remplacer le sel par des mélanges des épices qui rehaussent le goût sans ajouter de sel. Tout comme consommer trop de sel, une bonne alimentation en général est très importante pour éviter la rétention des eaux. Il est préférable d'éviter de manger trop de viande et de sucre rapide. Privilégiez les sucres lents, les fruits et légumes. De plus, vous pourriez perdre quelques kilos pour enfiler votre maillot préféré. Certains légumes sont particulièrement efficaces contre la rétention des eaux. Ce sont des légumes diurétiques qui ont des propriétés drainantes pour le corps. Ils aident à éliminer l'excès d'eau stocké dans votre corps. Parmi ceux-ci, nous comptons les courgettes, la pastèque ou des asperges. De l'herbe, persil a également une grande qualité de drainage. N'hésitez pas à le mettre dans tous vos plats. Faire de la rétention des eaux dans les jambes en excès est un supplice putain. May 15, 2022 Le vinaigre de cidre de pomme est un véritable aliment miracle. Et en plus il a bon goût. Ce vinaigre améliore la digestion, augmente le métabolisme et stimule l'élimination de l'eau.
Vous pouvez donc l'utiliser pour assaisonner vos salades et vos légumes cuits à la vapeur. Une mauvaise circulation sanguine favorise la rétention des eaux. Alors évitez de porter des vêtements slim ou des leggings. Il est préférable de porter des vêtements amples qui ne comprennent pas votre corps et le font respirer. En cette période de forte chaleur, une robe ample est absolument idéale et saisonnière. La chaleur est-elle ennemie de la rétention des eaux? Vous voulez empêcher votre corps de stocker de l'eau? Privilégiez la fraîcheur. Si vous êtes au bord de la mer, vous pouvez marcher dans l'eau pour favoriser la circulation sanguine. De forte rétention d'eau, un médecin peut prescrire des massages drainants. Cependant, vous pouvez également vous masser. Avec un peu de pression et un mouvement de base en haut, vous stimulez les fonctions drainantes de votre corps. Essayez-le sur vos jambes et voyez le résultat. Rien de mieux pour éviter la rétention des eaux que de transpirer un bon coup. Pratiquer une activité physique vous aidera grandement. Pas besoin de courir un marathon, une simple marche quotidienne ou un peu de vélo fera affaire.